Yo, la Dixizen, c'est Dixie. Oui, mais on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA 22, sur un tuto comment créer son club. Sur FIFA 22, on peut enfin créer son club, être le manager, choisir le nom, du club, tout ça, tout ça, tout ça, comme un vrai gérant, comme un patron de club de Liga BBVA. Du coup, voilà, voilà pour ceux qui ont la référence. Donc voilà, alors je vais vous montrer comment créer son club. Mais avant de vous montrer, vous connaissez déjà, abonnez-vous, likez la vidéo, ça ferait plaisir pour le référencement aussi, pour le bien de la vidéo et tout. Likez, abonnez-vous, et c'est parti pour ce tuto. Du coup, sans coupure, on va aller dans nouvelle carrière. Hop. Ensuite, vous allez télécharger, vous allez vous choisir ce que vous voulez, soit télécharger plus récent, utilisé unique, blablabla. Alors là, il y a le téléchargement des dernières mises à jour. On attend que ça finisse, on attend que ça finisse. Alors, une fois arrivé à 100, vous appuyez sur continuer, puis vous allez dans carrière manager. En gros, je sais pas si dans carrière joueur ça fonctionne. En tout cas, je sais que dans Manager, ça a fonctionné impeccable pour moi. Bon, on va s'appeler. Bon, ça, on s'en bat les couilles. Voilà, on s'en bat les couilles. Alors, club authentique ou créer votre club? Alors, c'est à partir de maintenant que vous allez pouvoir créer votre club. C'est à partir de maintenant, mais vous ne l'avez pas encore complètement créé. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Suivez bien la vidéo pour bien créer votre club. Alors, vous allez cliquer dans créer votre club. Puis, ensuite, là, vous allez tapez le nom de votre club, ensuite le surnom. Le surnom, je vais mettre Arsenal comme surnom. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre nom court MFC. Vous choisissez votre nom comme si c'était FCB. Enfin, comme si c'était le Barça, tu vois. Barcelone, Barça. Le nom court, abréviation Barcelone FCB. Voilà. Alors, vous appuyez sur continuer une fois que vous avez trouvé votre nom du club. Alors là, vous choisissez le club que vous voulez, soit il sera en Ligue 1 ou en Liga BBVA, enfin en Liga Santander maintenant, ou n'importe quelle ligue. Moi, j'avais choisi la Ligue 1. Alors là, vous allez remplacer un club, vous allez choisir le club que vous voulez remplacer, que vous voudriez remplacer. Alors moi, j'avais remplacé non, une équipe qui sert à rien. PSG, ouais, il sert à rien, mais bon, on va prendre Montpellier. Voilà, alors choix du rival PSG. C'est votre maillot, vous pouvez créer, changer les couleurs. Moi, bon, je vous montre ça vite fait, mais vous pouvez, voilà, changer les maillots. Ça, c'est basique, hein. Maillot extérieur et cuisson aussi. Vous pouvez changer les cuissons. Voilà, on choisit ça vite fait. Le stade, vous pouvez aussi choisir votre stade. Par contre, je sais pas s'il y a tous les stades disponibles. Mais en tout cas, il y a des stades, toi, ou les tribunes. Bon, on va pas aller dans tout ça, mais en tout cas, vous pouvez modifier tout ça. Alors, continuez. Alors là, vous... Ah! Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'on peut choisir notre général. Alors, vous voyez, plus il y a des étoiles, plus nos joueurs sont cheatés. Alors, vous choisissez. En tout cas, moi, j'ai fait un live découverte de FIFA 22 où j'ai créé mon propre club, où j'ai commencé ma carrière. Donc, je vous invite à aller regarder cette vidéo. Elle sera dans la description. Enfin, la rediff du live où j'ai créé mon club. Bon, alors, bon, pour... Voilà, alors... On met 3 étoiles, vous pouvez aussi choisir si vous voulez que des jeunes, des très jeunes, des âges moyens, des vétérans. Vous pouvez tout choisir si vous voulez que des vieux ou que des jeunes. Je vous donne un exemple, si vous voulez que des Sancho de votre équipe ou que des Zlatan, voilà. Alors vous pouvez aussi choisir le montant de départ. Mais les gars, n'abusez pas quand même, vous mettez pas quand même 1 milliard, le truc comme ça, abusez pas. Abusez pas. Alors gérant du foot, petit club. Alors là, vous pouvez choisir vos objectifs en fait. Si c'est voilà, enfin vous pouvez choisir. Alors là, vous pouvez appuyer sur personnalité. C'est vous qui choisissez le succès national et tout ça, le succès financier et tout ça. Ça c'est si vous appuyez sur personnaliser. Après vous choisissez, voilà. Vous avez compris quoi. Alors bon, là c'est basique. Vous pouvez choisir les paramètres de carrière, la difficulté du match, la durée, les devises, si c'est en euros ou en dollars, les compétitions de départ, voilà, les périodes de transfert, ça c'est de basique ça. On active et c'est bon, la carrière est lancée.
La carrière, elle n'est pas encore lancée. Tant que le chargement n'est pas fini, la carrière n'est pas lancée. Du coup, on attend que ça se lance. Alors, en profite du chargement pour abonnez-vous. Allez, abonnez-vous pendant le chargement. Likez cette vidéo si elle vous a servi. Partagez à vos autres potes pour qu'ils puissent savoir comment créer un club sous FIFA. Je pense que c'est une nouveauté en plus sous FIFA 22. Il n'y avait pas ça sous le 21, je crois. Donc partagez ça au max. Et puis lâchez des pouces bleus. Donc c'est bon. Vous appuyez sur créer une carrière. Vous choisissez le nom. Vous appuyez sur entrée. Voilà, du classique, du basique. Et là, on Mesdames et arrive messieurs, à la première interview voici le du numéro en club. accueillir Bon, votre nouvel n'oubliez pas de entraîneur. sauvegarder votre carrière avant de la quitter si vous avez fini avec. C'est Dixie Weeb, c'était Dixie Weeb. Ciao, ciao, prenez soin de vous. Peace!